Bonjour, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle session de produits terminés. J'ai failli me fracturer le poignet. Je trie ça par catégorie et on commence tout de suite. Il y a un truc qui a coulé au fond. Je soupçonne l'huile lavante pour Inès, mais c'est tout poisseux. On va commencer par les soins visage. Alors, tout d'abord, les sérums Herborian. J'ai fini le Yuza, j'ai fini le Red Pepper et j'ai fini le Bambou. Je vais pas trop rentrer dans les détails parce que je vous avais tout expliqué dans une vidéo que je vous mets sur l'écran, c'était un vlog. C'est l'une des dernières sorties de la marque, j'ai adoré, adoré ces sérums. Je place en haut du podium le Red Pepper qui a un super effet sur ma peau, notamment au niveau des petits reliefs. Vous savez quand vous avez un peu des reliefs sur le front, un peu sur le menton. Il est unifiant, il permet vraiment d'unifier le teint, il est assez incroyable. Le Yuza que j'ai trouvé très hydratant alors que c'est pas sa fonction première. Qui apportait surtout beaucoup de confort à la peau. Et enfin le bambou qui est vraiment le plus hydratant des 4. Lui il est vraiment incroyable pour tout type de peau. C'est le seul parmi les 4 que je conseille pour tous les types de peau parce qu'il est profondément hydratant et je pense que tous les types de peau ont besoin d'hydratation. J'ai pas testé encore le ginseng qui est plus orienté pour les peaux matures. Je vais l'essayer pour dire de l'avoir testé, mais c'est vrai qu'il est moins adapté normalement à mon type de peau. Successeur, j'ai reçu un nouveau flacon du Red Pepper que j'ai réentamé parce que vraiment j'ai adoré ce sérum. Ensuite j'ai fini des masques en tissu. Le masque visage litchi de chez Sephora. Pour être tout à fait honnête, j'ai pas vraiment de souvenirs, donc c'est qu'il a pas dû complètement révolutionné ma routine. Alors ils ont revu toute leur composition chez Sephora, donc dans la marque Sephora, il était formulé à 95% d'ingrédients d'origine naturelle. J'en ai pas un souvenir impérissable. En revanche, celui-là je l'adore, le Bio Enzyme Masque de chez Talica. C'est pas donné mais c'est un masque qui est profondément hydratant. J'ai fait un peu une cure de masque tissu là ces derniers temps parce que après mon opération du pied, alors vous allez me dire rien à voir, mais en fait je pense avec les médicaments, etc. Ma peau en avait quand même un peu pris un coup et puis pendant plusieurs jours je crois que j'ai vraiment pas bu assez, notamment le jour où j'étais à jeun pour l'opération, hein, tout simplement. Donc j'avais fait un peu une cure de masque hydratant derrière et celui-là, et c'est pas la première fois que je m'en sers, il est vraiment incroyable. Et ensuite les masques yeux pastèques au rien, les masques yeux à la pastèque de chez Sephora, que j'ai pas beaucoup aimé, la texture du papier, tout ça, pas incroyable, il tenait pas hyper bien sur la peau, j'en ai pas été ravie. Successeur, j'en ai encore plein en stock, je crois qu'il me reste des Talica que vraiment j'adore. Alors c'est un budget, c'est un masque qui est jetable, donc je comprends qu'on n'ait pas forcément envie d'investir là-dedans. Mais si vous aimez les masques tissus, sachez que ceux de chez Talica sont quand même assez incroyables. Alors lui, je l'ai pas complètement fini, mais bon, ça sera notre petit secret, mais vraiment je le supporte plus. Le Yoglo Scrub aux enzymes de la marque Wishful, que je déteste vraiment, c'est un produit dont j'ai entendu beaucoup de bien, mais je crois qu'il est pas du tout adapté à mon type de peau. Très agressif, c'est un gommage à moitié enzymatique, à moitié qui fait un peu des peluches. Je l'apprécie pas, donc voilà, il est pas complètement fini, mais je n'en peux plus. Successeur en gommage de ce type-là, j'ai pas rouvert grand chose, j'ai toujours le peeling de chez The Ordinary que j'utilise de temps en temps, que je trouve toujours aussi bien. Mais vraiment en produits similaires, j'ai rien rouvert. Démaquillant pour les yeux de chez L'Oréal, c'est pas le meilleur, vous savez que mon préféré c'est celui de chez NYXA, mais il n'était pas en stock dans mon supermarché, donc celui-ci est un très bon remplaçant vraiment. Si je pinaille, je dirais que je préfère le NYXA, mais celui-là est quand même très correct. Donc successeur, le NYXA. Et lui je l'ai pas complètement fini non plus mais je l'ai détesté, c'est le démaquillant doux yeux et lèvres de la marque Sephora. Alors au début je disais ah il est pas efficace, c'est pas écrit qu'il est fait pour le maquillage waterproof, donc forcément je peux pas lui reprocher quelque chose pour lequel il n'est pas fait. Mais il pique les yeux, c'est une catastrophe, alors vraiment c'est le critère numéro 1 pour détester un produit, surtout quand c'est un démaquillant pour les yeux. Donc vraiment lui c'est un gros flop, et donc j'ai remplacé par NYXA. Ensuite j'ai terminé la crème Priming Moisturizer Balance de chez Glossier, un gel crème profondément hydratant, vraiment hyper adapté si vous avez la peau mixte ou grasse, je peux vous garantir que vous allez l'adorer. Moi en plein été c'était très chouette, là à l'approche de l'hiver ma peau avait vraiment besoin de quelque chose de plus costaud, donc je l'ai fini quand même au bon moment. Je suis pas certaine de le racheter à part peut-être pour le plein été, mais je pense que j'ai des produits dans mes tiroirs qui devraient pouvoir convenir. Mais je vous le redis, si vous avez une peau mixte à grasse, c'est un super super gel crème, très bonne base de maquillage, très hydratant, sans aucun effet gras, vraiment génial. J'ai terminé, alors là, à contre-cœur, l'huile de soin démaquillante Vinocline de chez Caudalie, parfaite en termes de texture, de pouvoir démaquillant. Elle se rince facilement, l'odeur est parfaite, vraiment une de mes plus belles découvertes en termes d'huile démaquillante de ces derniers mois. Alors c'est assez personnel, hein, les textures, etc. Mais pour moi, elle était vraiment, vraiment parfaite.
Et bon, j'ai mis ça dans le soin visage, mais c'est voilà, soin bucco-dentaire. J'ai terminé le dentifrice Sweet Extravagance de chez Le Bon, qui est une marque de dentifrice un peu luxe, un peu même carrément luxe, à la menthe, rose et fleur d'oranger. Donc c'est très inédit hein, comme parfum de dentifrice, c'était vraiment très agréable. Ce sont des dentifrices qui sont formulés sans fluor. Je vous en ai parlé dans ma dernière vidéo favori que je vous mets sur l'écran. Je ne souhaite plus utiliser des dentifrices sans fluor. Donc je ne rachèterai pas, je l'avais reçu de la part de la marque, mais je ne rachèterai pas de dentifrice de ce style-là. J'ai encore plein de petites miniatures que j'emmène en voyage parce que c'est pas un dentifrice de temps en temps sans fluor qui va me... Bah, qui va me tuer. Voilà, je finirai mes miniatures, mais je vais rester avec des dentifrices avec fluor. Donc je vous explique tout dans la vidéo. Ensuite, soin cheveux. Le shampoing soutien d'hydratation avec acide hyaluronique à faible poids moléculaire de la marque HIF. Vous arrivez à lire H-I-F? Je suis pas sûre. C'est une marque du groupe DCM. DCM, c'est The Ordinary, etc. J'ai pas du tout aimé ce shampoing qui m'a vraiment rendu les cheveux très lourds et donc très gras en racine rapidement. Donc c'est Quentin qui l'a terminé. Lui, il avait pas l'air de s'en plaindre sur ses cheveux courts. Mais sur moi, ça n'a pas fonctionné. Toujours shampoing, j'ai terminé le Matcha Scrub, le shampoing stimulant acide hyaluronique et algae de la marque Pomelo, que j'ai beaucoup beaucoup aimé. C'est vraiment un shampoing à utiliser une fois sur 4 ou 5 pour un nettoyage un peu plus en profondeur, pour éliminer les résidus de produits justement qu'on peut avoir sur les cheveux. Il est vraiment très 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 bien ce produit. Je vous l'ai déjà dit, je ne vous le répète pas, je souhaite plus acheter de produits Pomelo et je souhaite plus en faire la promotion. Ils m'ont redemandé de travailler avec eux. C'est pas forcément une marque que j'ai très envie de mettre en avant parce que méthode commerciale qui me plaisent pas trop, mais il faut admettre que leurs produits sont excellents. Et j'ai terminé le shampoing Pure Intense Apaisement des démangeaisons de chez Head & Shoulders, dont je vous ai déjà parlé plusieurs fois. Composition catastrophique, mais très bonne efficacité sur mes démangeaisons. Et quand vraiment j'ai le cuir chevelu qui gratte, bah, c'est tout ce que je demande. Successeur, j'ai rouvert un tube de Head & Shoulders et qu'est-ce que j'ai comme shampoing en ce moment? Je n'arrive pas à me souvenir. Je n'arrive pas à me souvenir. C'est fou ça. J'ai un autre shampoing doux. Ah, j'ai un shampoing Bioderma dont vous m'avez parlé et qui fonctionne très bien dans un flacon tout vert foncé qui est très chouette. Ensuite, j'ai terminé le masque nourrissant Nature et Moi. Nourrit et répare les cheveux secs et abîmés. 96% d'ingrédients d'origine naturelle. Cette marque-là, on la trouve en grande distribution. Ce masque, il est génial. Alors, il n'est pas aussi bien qu'un masque Christophe Robin, mais il a rien à envier à des masques en tout cas plus coûteux. Il est très économique. Il nourrit bien, il démêle, il coûte pas cher, il sent bon, il se rince bien. Il a tout pour plaire. Donc, je vous le conseille. Et successeur, je suis en train de terminer des petites miniatures de masques que j'avais reçu dans des Birchbox, dans des, ça s'appelle plus Birchbox, dans des Blissim Box, qui sont pas incroyables, mais celui-là était vraiment chouette. Produit terminé côté corps, j'ai terminé une recharge de mon déodorant, la senteur jasmin et mandarine, qui était très très chouette. Donc ça se passe toujours dans la marque Wild, dont je vous parle depuis très longtemps. J'aime beaucoup cette idée de déodorant rechargeable, et donc je suis partie sur une nouvelle recharge, j'en ai racheté 3. J'ai testé de nouveaux parfums, mais celui-là était très chouette. J'ai terminé. Alors, un produit dont je vous parlais il y a 4 ans en arrière, hein, c'est mathématique. L'huile de soin prunelle de la marque Dr. Oshka, que j'ai utilisée quand j'ai accouché de ma fille. Enfin, juste après avoir... Enfin, dans le postpartum, quoi. C'est une huile de soin qui a de très très bonnes vertus anti-vergetures. Alors, ça va pas faire disparaître l'intégralité de vos vergetures, mais il y a une vraie... Il y a de vraies propriétés tonifiantes, nourrissantes aussi, et moi j'ai vu de très bons résultats sur des vergetures récentes, ce qui était donc le cas juste après ma grossesse. J'ai retrouvé en fait un flacon dans mes tiroirs, il me restait un tiers, elle n'avait pas changé de texture, pas changé d'odeur, donc je l'ai fini. Donc là je ne vois plus d'effet sur mes vergetures, mais si vous êtes après votre grossesse, je vous conseille vraiment cette huile qui est fabuleuse. Alors la texture n'est pas géniale, l'odeur n'est pas dingue, mais l'efficacité est au rendez-vous. Il y a des huiles essentielles dedans, donc... Pendant la grossesse, méfiez-vous, je suis pas certaine que ça soit possible, mais après la grossesse, il n'y a pas de problème. J'ai terminé le bain aux plantes tonique aux huiles essentielles de la marque Clarins, donc il s'appelle bain aux plantes, mais dont vous pouvez vous servir sous la douche ou dans le bain. Je m'en suis servie sous la douche. Je l'avais reçu dans la box Clarins Unlimited, j'ai travaillé avec la marque pour ce... J'allais dire pour ce lancement, mais la box elle existe depuis un an. Bref, j'aime beaucoup ce produit, alors l'odeur est très 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 botanique. Ça sent fort les huiles essentielles et moi j'aime beaucoup, c'est très tonifiant, c'est très, très agréable sous la douche. La texture est marrante, c'est comme un gel mais un peu pas solide mais quand même assez compact. Je trouve pas d'autres termes pour décrire cette texture.
Donc vous n'avez pas besoin d'en utiliser beaucoup, ça mousse bien, ça se répartit super bien. Et dans le bain, j'imagine que ça doit être chouette aussi. Je m'en suis servi que sous la douche, mais dans le bain, ça doit être très chouette. Ensuite, c'est l'huile coupable qui en a foutu partout, en tout cas je crois. C'est l'huile lavante fleur de coton de la marque Innocence, qui est une marque pour enfants, avec de l'huile de jojoba bio. Donc chez Innocence, vous avez plusieurs gammes. Une gamme pour bébé, une gamme de 0 à 5 ans, puis après une gamme pour 5 ans et plus. Je ne sais plus exactement comment on se répartit les gammes. J'ai fait un article sur mon blog sur cette marque que j'aime beaucoup. C'est fabriqué en France. Très très belle valeur, très belle composition. Et cette huile lavante pour Inès, c'était juste génial. Alors c'est marqué visage, corps et cheveux. Alors corps et visage, pas de souci. Dans les cheveux, sur les cheveux d'une petite fille un peu long, c'est un peu compliqué. En revanche, sur un bébé, ça doit être vraiment sur des petits cheveux de bébé court, ça doit pas poser de soucis. J'aime beaucoup cette marque, cette huile lavante, elle est fabuleuse. On a toujours l'eau micellaire pour le visage, pour débarbouiller un peu le matin, qui est top. L'huile de soin aussi pour le corps, qui a une odeur délicieuse. Voilà, si vous cherchez de bons produits pour enfants, je vous conseille cette marque. Je m'essuie les mains, on passe à la suite. Le parfum, l'eau d'essence, je dis parfum mais c'est eau de toilette. L'eau d'essence de chez Diptyque. Alors, cette eau de toilette, j'ai utilisé il y a quelques années en arrière, je déplorais sa tenue. Je ne pense pas qu'elle ait été reformulée, je pense juste que ma sensation a changé vis-à-vis de ce produit. Là, j'ai trouvé que sa tenue était vraiment excellente. On me complimente sur ce parfum, parfois en fin de journée, alors que ça fait 10 heures que je l'ai appliqué. C'est une eau de toilette avec des notes de fleurs d'oranger, mais très vertes. C'est une fleur d'oranger très mature, c'est pas une fleur d'oranger un peu bébé, doudou. Il y a une petite pointe de patchouli, je crois bien, et peut-être un peu de vétiver. Alors je suis pas très certaine de ce que j'avance, mais c'est un peu plus complexe que juste de la fleur d'oranger brute. C'est une odeur qui est délicieuse et ça fait partie des parfums sur lesquels on me complimente le plus. Il est vraiment incroyable, donc je pense que je le rachèterai parce qu'il va finir par me manquer. Là j'ai plein d'autres trucs à finir, donc je vais déjà m'atteler à finir tout ce que j'ai. On verra après, mais je pense que je finirai par le racheter. Ensuite, en maquillage, j'ai fini le crayon Precisely My Brow Pencil de chez Benefit, alors que j'avais pas dans la bonne teinte parce que c'est la marque qui me l'avait envoyé. Teinte numéro 3, c'était pas la cata mais c'était un peu trop foncé, surtout par rapport à mes goûts que par rapport à ma couleur de sourcils. J'ai des sourcils assez clairs, là ils sont maquillés, ils sont en tout cas plus clairs que ma racine de cheveux. Et moi j'aime pas trop les foncer, je préfère avoir quelque chose de la même teinte, voire plus clair pour voilà, pas trop intensifier. Donc la teinte 3, il m'aurait plutôt fallu la teinte 2. La 1 est je crois vraiment pour les blondes. Je pense que la 2 aurait été mieux. Bref, ce crayon, il est vraiment incroyable pour que j'en sois venue à bout. Alors que la teinte n'était pas complètement parfaite, c'est vraiment que c'est parce que je l'ai trouvé bien. C'est un embout que je ne peux pas vous montrer parce que je n'en ai plus. Mais qui est, je vais vous mettre là, hyper hyper précis. Donc pour dessiner des petits poils, c'est top. De l'autre côté, vous avez un goupillon. C'est un produit qui est très économique. Je l'ai gardé pendant des mois. Alors je l'ai appliqué vraiment tous les jours. Pour le maquillage des sourcils, pour moi, il y a quand même deux marques qui se démarquent justement. Benefit et Anastasia Beverly Hills, et vraiment ce crayon est dingue. J'ai plein d'autres trucs à finir, mais je serais tout à fait amenée à racheter soit ce crayon là, soit son équivalent chez Anastasia. Ensuite j'ai terminé, voilà un produit, je sais même pas s'il existe encore, si je crois que oui. J'ai l'impression que je suis la seule à en parler, mais vraiment il est incroyable, c'est le Kajal Noir sur mesure Impact Optimal de chez Clinique. Je vous dis ça parce que je n'ai jamais entendu personne en parler. Ce crayon il est dingue. Il existe en plusieurs déclinaisons avec toujours une sous-teinte un peu foncée quand même. Donc là c'est le Blackened Green, donc c'est un vert mais très foncé. Je l'ai aussi en Blackened Black, Blackened Brown, Blackened Blue, un bleu très foncé. J'adore ce crayon pour les yeux, il est précis, bien pigmenté, ne bave pas, ne coule pas, se démaquille bien, il a une super tenue, il est incroyable. Donc là j'ai fini le vert, il me reste les trois autres teintes, donc je ne suis pas en manque. Mais... vraiment, si vous voulez un crayon pour les yeux qui tient super bien, il est top. Ensuite, j'ai terminé le mascara Sky High Lash Sensational, rien que ça, en version waterproof de chez Maybelline. Je vous en ai parlé, je crois, dans une vidéo favori. C'est un très bon mascara avec une brosse en picot, voilà, qui apporte de la longueur, de la définition, une belle courbe, mais pas trop de volume. Un très très beau mascara, il a un seul gros défaut dont je ne pouvais pas vous parler à l'époque quand je l'ai mis dans mes favoris, c'est sa durée de vie. Pourtant il y a quand même pas mal de produits. Ah non, 6 ml, oh, j'avais pas vu. Bon bah voilà, tout s'explique. 6 ml, c'est rien. Un mascara c'est plutôt 9-10 ml. Ok, donc tout s'explique. Donc bien, mais du coup trop cher pour pas assez d'utilisation. Donc bah non, je rachèterai pas. Et ça m'apprendra à pas regarder les contenances. Ensuite j'ai terminé la poudre Shiseido Synchro Skin en version matte. Une poudre libre que j'avais achetée un peu par hasard, qui était globalement très satisfaisante, mais pas tout à fait assez fixante pour moi.
Alors, elle est très belle sur la peau, très veloutée, elle est pas blanche, elle est un tout petit peu beige, donc ça donne pas ce côté un peu fantomatique quand vous l'appliquez. Elle a une texture très très fine, un toucher un peu velours, elle est très belle, mais c'est pas la poudre du siècle, je crois qu'elle m'avait coûté en plus assez cher. Et ensuite, les compléments alimentaires, j'ai terminé le dernier flacon de ma cure, comment c'était en français? Un bronzage vitaminé, un bronzage parfait, je me souviens pas, de chez Atelier Nubio. Donc j'ai utilisé 3 flacons sur l'été, je vous en ai parlé dans une IGTV. Bon bah maintenant que l'hiver est arrivé, c'est plus trop le moment de vous en parler, mais je réitérerai avec grand plaisir l'été prochain. Ensuite, bah pour la première fois, un complément qui m'a pas laissé un effet waouh. Alors Atelier Nubio, c'est vraiment une marque que j'adore. Je reçois tous les jours, et je n'exagère pas, des propositions pour recevoir des compléments alimentaires, pour tester des marques, des collabs, des machins, hyper bien rémunérés et tout. Mais je n'ai pas envie de tester autre chose parce que si j'étais cliente aujourd'hui, je continuerais à me... Enfin, imaginons que mon blog s'arrête aujourd'hui, je continuerais à être cliente chez Atelier Nubio parce que j'adore leurs produits, parce qu'il y a une certaine transparence au niveau des ingrédients que je trouve très appréciable, parce que c'est efficace, parce que ça fonctionne, parce que j'ai pas envie de tester autre chose et que j'ai pas envie, du coup, en tant que blogueuse, de tester plein de marques parce qu'après je ne saurais plus ce qui fonctionne, ce qui fonctionne pas. Donc pour le moment, je suis très contente de tout ce que je teste. Donc je vois pas de raison d'accepter d'autres tests. Voilà pourquoi la marque revient souvent. Mais écoutez, pour la première fois, je peux vous dire que le booster unifiant, ben pas dingue. Marron d'Inde, prêle, zinc d'origine végétale et aloe vera. C'est la première fois depuis longtemps qu'un complément alimentaire de chez Atelier Nubio me laisse un effet un effet un peu bof. J'ai pas eu de problème, mais j'ai pas eu de résultat incroyable. Et puis j'ai utilisé ce complément alimentaire au moment où j'ai fait ma petite crise d'eczéma autour de la bouche, je sais pas si vous avez suivi, qui était sûrement une réaction à du vernis à ongles que j'avais appliqué à Inès. Bon, bref, je vous la fais courte, mais du coup je pense que le complément aurait pu venir un peu aider la peau à ce niveau-là, et ça n'a absolument rien fait. Donc c'est la première fois qu'un complément alimentaire de la marque me laisse un peu pantoise. Voilà, le booster unifiant, pas dingue. En revanche, alors là je passe du coup du coq à l'âne parce que ça c'est vraiment mon complément favori de chez eux, le ventre plat de Naïade qui se présente sous forme d'ampoule en verre. Je triche un peu parce que j'ai pas complètement fini ma cure, il doit me rester 5 ou 6 ampoules, mais voilà, j'ai jeté la boîte pour gagner de la place. Un complément qui aide à la digestion, alors il est écrit ventre plat parce qu'il faut bien lui donner un nom, mais c'est plus pour le confort intestinal digestif en règle générale. Ce complément, il est dingue. En plus, j'ai recommencé à le prendre au moment où on commençait à se faire un peu des fondues, des raclettes et tout. Enfin, vous savez que moi, j'aime bien me faire plaisir dans l'assiette, etc. Et on peut, sans surprise, avoir une petite sensation de ballonnement ou d'inconfort le lendemain de ce genre de repas bien riche. Avec ça, ça aide quand même beaucoup. Et c'est vraiment un complément que j'adore et que je vous conseille. Je sais que vous avez été nombreuses et nombreux à l'acheter, et je n'ai que de très très bons retours de votre part. Voilà, s'il y a un complément que je vous recommande chez eux, c'est celui-ci qui est fabuleux. Et ensuite, j'ai terminé, toujours de la marque Atelier Nubio, le vinaigre de kombucha infusé au gingembre, romarin et écorce d'orange. C'était une collaboration entre Atelier Nubio et la marque Vivant. Ça, je l'ai reçu de leur part courant octobre. Alors, je connaissais un peu les vertus du vinaigre de cidre. Par exemple, il y a des gens qui boivent ça le matin, à jeun, dans un verre d'eau tiède pour faciliter la digestion, etc. C'était un peu l'idée du coup de la marque avec ce lancement. Je suis pas certaine que ça soit encore disponible. Je me demande si c'était pas un peu un one shot. Ils avaient peut-être une quantité de bouteilles. Je suis pas certaine que la cure soit encore dispo. Donc fermentation naturelle. Le kombucha, c'est cette boisson fermentée. Donc quand vous... Peut-être que ça s'entend encore. Je sais pas si vous avez entendu, mais on entend un peu pchit. Il y avait un peu de fermentation qui se faisait naturellement à l'intérieur. En termes de goût, ça ressemblait vraiment à du vinaigre avec un tout petit goût en effet de gingembre qui venait un peu aider... apprécier le produit. Il fallait mettre, alors je crois, une cuillère à soupe dans un verre d'eau tiède le matin. Bon, moi je faisais un petit schluck comme ça, je n'ai pas forcément fait une cuillère à soupe tout pile. La cure durait une quinzaine de jours. J'ai vu des bons effets sur, en effet, la digestion, etc. Je m'en suis rendu compte parce que quand j'ai enchaîné avec la cure ventre plat, j'ai vu qu'il y avait comme une sorte de continuité. Donc de ce côté-là, c'était très satisfaisant. J'étais curieuse de tester, je suis contente d'avoir essayé. Pareil, je pense pas que ça soit le complément du siècle chez eux, mais à nouveau, je ne crois même pas qu'ils soient encore disponibles. Mais c'était sympa à tester. Il peut y avoir aussi des vertus concernant l'immunité. Ah, bah ça, par contre, maintenant que j'y pense, Inès a chopé une gastro pas croyable. Quentin l'a attrapé juste derrière. Et moi, je n'ai rien eu, alors que j'ai végété avec eux pendant, pendant une semaine à soigner toute la famille. Donc, est-ce que ça vient de là? Je n'en sais rien. En tout cas, je n'ai pas eu de soucis de santé ces dernières semaines. Voilà pour mes produits terminés. J'espère que ça vous a plu. Je vous embrasse et puis je vous dis à bientôt!